Le président du parti AFIA assure que le chef de l'État est dans son plein droit de soumettre une nouvelle constitution à l'approbation du peuple par voie référendaire. Saliou Bella Diallo indique aux opposants à l'idée de mise en place d'une nouvelle loi fondamentale que le dernier mot reviendra au peuple dans les urnes. Tout pays démocratique peut penser à organiser un référendum sur le changement constitutionnel. C'est totalement autorisé par les textes de loi. La Guinée a besoin d'une nouvelle constitution qui sera approuvée par les citoyens, déclare l'ancien vice-président de l'UFDG. Au sein de la majorité présidentielle, indique-t-il, on n'a jamais parlé de troisième mandat. Nous avons dit que la constitution en vigueur n'est pas l'émanation du peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, le professeur Alpha Condé veut une bonne constitution pour la République de Guinée. Et, quand il lui est demandé pourquoi le pouvoir en place s'arc-boute à doter la Guinée d'une nouvelle loi fondamentale, Saliou Bella Diallo répond « La constitution de 2010 est devenue totalement caduque. Elle a été faite par un régime d'exception. Nous devons la changer, parce qu'elle contient beaucoup de lacunes. » Pendant ce temps, la mobilisation ne faiblit pas dans les rangs du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, qui appelle à une nouvelle manifestation de rue pour accentuer la pression sur le pouvoir d'Alpha Condé.